DAZN. 3-4-3, mais avec des animations bien, bien différentes. Un Martens qui devrait évoluer en pointe du triangle offensif d'OHL. Petite frayeur là pour Fadera. Regardez Martens qui continue le press. C'est une occasion de but. Ça pour OHL. Il aurait peut-être dû frapper Martens. Il préfère servir Youssef Mazis. Quelle lucidité et altruisme de la part de. Un joueur pour lequel on se déplace au stade tout simplement. Martens. Mais très utile dans une position un petit peu plus haute que d'habitude. Martens, bon service aussi vers Hendry qui joue bien de son corps pour se frayer peut-être un passage et une frappe. Quel arrêt de Penders. Là, il empêche le break hein, très clairement pour OHL. De pivot depuis le début du match et ce jeu en un temps, il est léché. Il est super. Vlitting qui doit y aller, qui doit y aller, qui doit marquer. C'est goal. Oh, quel but. Quel but sensationnel de Vlitting qui est ému. Par ce à le bras droit un peu fébrile. Qu'il était beau ce goal, mais il est annulé malheureusement pour OHL. Vlitink, j'ai cru que c'était de l'émotion liée ben oui, à son faible temps de jeu, quelque part hein, la saison dernière. Première titularisation depuis fin octobre. Et c'est goal, ben oui. Il y a quand même but pour OHL. Karetsas contrôle la frappe, non. Karetsas le centre vers un record d'arrêt. Oh, quelle occasion. Quelle occasion pour le Nigérian. C'était une balle de 2 buts à 1. Là, le centre, le service. 45, première minute. Rozovski reste au sol. Superbe première période hein, des Louvanistes. Il est déjà debout, le Slovaque Rozovski. Kremer qui gêne Bonsuba, malheureusement, qui était dans son dos. Sort, qui cherche le coup franc, qui ne l'obtient pas. Ça peut faire très mal, cette reconversion. Ils sont trois Louvanistes. Hendry, Martens, Mazis. Il est passé, Hendry. Le service ou pas, le goal. Oh, quel but. Quel but de Conan Hendry. L'Ivoirien qui a été tout seul comme un grand. Mais quelle reconversion. Et là, ça va faire très, très mal. Avec Fay, un petit contact. Il y a un petit contact au départ sur sort. C'est pour cela que Fink est venu pester vers le quatrième arbitre. La suite, la voici. Hendry qui se joue de la défense et de Fadera, décidément encore une fois impliqué dans un but encaissé par son équipe. Hendry qui le dribble et puis qui va placer plat du pied gauche. N'est pas annulé, ça risque de faire couler un petit peu donc parce qu'il y a un très léger contact. Et voilà, il va aller voir les images où c'était de Kremer. Très léger, mais qui est bel et bien existant, réel. Ce n'est pas de la comédie. Bonsuba pour sort, qui se retourne. Que va décider monsieur de Kremer? Pas de but pour Conan Hendry. Et c'est un coup franc pour Genk. Ascenseur émotionnel. La défense louvaniste de ne pas, alors que là c'est cocasse. Toby Leysen qui vient placer lui-même son défenseur, tel un Playmobil. C'est la frappe arrêtée par Leysen. Quel arrêt. Et c'est pas terminé, le sang de la reprise. Leysen encore une fois, qui est en train de remporter. Rozovski, le centre, Toby Leysen, c'est pas terminé. C'est goal. C'est goal pour Genk. Est-ce que ce but est validé? Non, parce que le drapeau est levé. Alors, Leysen dans un premier temps. Ici, non, il n'y a pas d'enjeu puisque le joueur réalisait un petit peu ce qu'il se passe grâce au VAR ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, le but. Il est déjà avec ce 2-0. Fadera. Oh, la bonne balle. C'est but, ça. Voilà. Le but d'un record d'arrêt au bon endroit, au bon moment cette fois, mais que ça a été vite. Que ça a été vite, c'est parti de la droite, jeu en un temps et un record d'arrêt avec Choukou, Wikem, IQ Messi. Qui a donc remplacé Fadera, Blettings. Rozovski, OHL souffre, Genk attaque, Bonsuba. Bonsuba dans l'espace, Kayembe, le petit crochet, c'est la balle du 2-2. Et non, Toby Leysen
qui intercepte ce ballon. Et attention, parce que de l'autre côté, il y a encore de quoi faire 3-1. Scravers ici, sur la barre. C'est pas terminé. Le centre, c'est goal. Torstensson, est-il hors jeu? Je ne pense pas. C'est 3-1 pour Louvain. Montée au jeu. Ça fait déjà beaucoup. Hein. Il y a Oyen et Nkuba qui sont blessés. Galarza aussi absent. McKenzie, 7 absents. La frappe de loin. Et Toby Leysen. Peut-être le dernier arrêt. Indiqué par Monsieur de Kremer. Et donc Oscar Garcia ne se tient plus. Voilà, c'est terminé. Victoire de Louvain pour le premier match à domicile de la saison. Premier réussi pour Oscar Garcia.